Dans l'épisode précédent de Chef à bord. J'ai jamais fait de découpe de saumon entier. Panique à bord. Tout va bien, Elodie ? Je vais mettre les herbes. Qu'est-ce que vous nous avez fait de beau, Elodie ? Alors, c'est un saumon rôti aux légumes glacés avec des escargots revenus à l'ail au persil. Je trouve le graphisme de la présentation est juste très belle. Hein. C'est chatoyant, c'est plaisant, c'est engageant. L'escargot est goûteux, oui. Ouais. Vous auriez pu faire un peu plus grand pour la cuisson parce que vous aviez des grands saumons. Ben, vous pouvez retourner en cuisine. Merci, messieurs. Ouais. C'est engageant. L'escargot est goûteux, oui. Vous avez pris combien de sortes de légumes ? Là, on a trois carottes. Trois carottes, oui. Et le céleri. Donc, trois variétés de carottes en couleur. Bon, il ne reste pas grand-chose de ce grand saumon. De ce grand saumon. On va dire. Oui, c'est dommage. Hein, vous aviez un beau saumon et... Ah, j'ai... Oui. Je l'ai martyrisé, le pauvre. Bon, la cuisson, elle est... Non, ça, la cuisson, bonne. Ça va. Pour un premier saumon, c'est pas mal. Ah, merci. Merci. Le parrain aura du boulot avec celui qui va sortir premier. On reste un peu sur notre faim avec ça. Oui, alors déjà, bravo pour la participation. Vous aviez eu un très, très beau panier. Vous n'avez pas assez profité des produits qui étaient dedans. Hein. Vous auriez pu faire davantage pendant ces deux heures. Bon, c'est un panier généreux, varié, qui méritait un peu plus d'exécution. Effectivement, vous n'avez pas su profiter de la marchandise que vous aviez. Voilà. Néanmoins, comme dit, voilà, vous avez fait un excellent travail d'amateur. Il n'y a pas de perdant, mais il y a un gagnant. Et la gagnante aujourd'hui, c'est Elodie. Merci. Bravo. Je suis vraiment ravie d'aller être coachée par M. Fulgrap. Voilà, ça va être des très bons moments, je pense. Je n'étais pas au niveau aujourd'hui. Je serai peut-être l'année prochaine. C'est à Bervillers qu'a lieu maintenant la deuxième demi-finale au restaurant à l'Arbre Vert chez Mathieu Koenig qui attend nos candidats de pied ferme. Bonjour mesdames. Bonjour. Eh ben, on va passer en cuisine. Alors bonjour Leïla, bonjour Nadia. Vous allez découvrir vos paniers. Il y a trois produits qui sont imposés. Hein. C'est le poisson aujourd'hui, c'est le crustacé et puis... les épinards. Ça, c'était ma pire hantise. Ah, toi, t'as pas peur, moi. Moi, je suis très content de vous accueillir dans ma cuisine. Et donc, je vous souhaite bonne chance à toutes les deux. Et que la meilleure gagne. Merci. C'est parti. Allez, bon courage. Les idées par rapport à ce plat sont venues par rapport à des choses que j'ai faites récemment et notamment des tartes fines. J'en ai fait plusieurs variétés ces derniers temps, donc elles se sont retrouvées sur l'assiette.